Voici un exemple de ce que je fais avec le lisseur de bordure que je vous avais parlé. Vous voyez là, j'ai fait un côté. Vous voyez comment c'est, ça donne un effet mouillé, un petit peu avec des vagues. On voit que c'est bien lisse. On n'aurait jamais dit que ce sont des repousses que j'ai là. Et là, ce sont mes repousses. Donc vous voyez l'effet joli, machin. Et là, l'effet aussi. Donc ce que je fais, je prends un petit peu du produit, mais vraiment là, je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment pas beaucoup. Je frotte comme ça sur mes doigts et je plaque. Voilà. Qui aurait dit que ça, ce sont des repousses? Non mais les amis, qui aurait dit ça? Non mais faites un retour en arrière et dites-moi, non mais dites-moi. Voici un autre exemple. Alors là, vous voyez comment ça fait avec mes repousses. Ça gonfle un peu, ça fait un peu bizarre sous les cheveux. Donc, je vais vous montrer un style de coiffure, mais vraiment très très simple. Vous savez, le genre de coiffure que vous faites tous les jours. Hein. C'est pas une coiffure sophistiquée pour sortir aller en soirée. Hein. C'est vraiment une coiffure pour tous les jours lorsque vous avez des repousses. Ça vous évite de manipuler trop l'intérieur de votre tête, puisque c'est ce qu'il faut faire. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Donc là, c'est une espèce de queue de cheval améliorée. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, je vous mets le lien en haut. Donc, queue de cheval simple, on essaye de ne pas trop toucher à l'intérieur de la tête où il y a toutes les repousses et où c'est bien gonflé, vous voyez. On écarte, l'élastique n'est pas trop serré et on fait passer les cheveux à l'intérieur. Voilà, et on resserre le tout. C'est bon, ça vous fait une queue de cheval un petit peu améliorée, qui sort d'une queue de cheval classique. Par contre, vous voyez toujours que c'est gonflé à cause des repousses. Donc là, on va utiliser des produits pour essayer de plaquer ça. Le premier produit, c'est la lotion moussante pour mise en pli de Keracare. Donc moi, je m'en sers pas pour quand je fais des mises en pli. Je pourrais m'en servir aussi si je fais des brushings, des mises en pli, des choses comme ça. Mais comme c'est des choses que j'évite vraiment de faire, moi, je m'en sers quand j'ai des repousses pour les plaquer. Ça les assouplit, ça vous assouplit un peu les repousses. C'est beaucoup mieux que de mettre de l'eau, tout simplement. Et ensuite, le fameux lisseur de bordure que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui finit le travail. Donc en fait, la lotion moussante, on va dire, ça assouplit les cheveux, ça les fait boucler un petit peu. Et la lotion et le lisseur de bordure, ben, vous plaque tout ça. Vous voyez, regardez comment ça fait. C'est plaqué. Et ce n'est pas du gel, hein, le lisseur de bordure. Hein. Je vous remontre un autre style de coiffure. Toujours coiffure à la Sandra, c'est-à-dire coiffure assez rapide, coiffure de journée. Voilà, vous voyez le genre de coiffure pour aller travailler, pour aller chercher vos enfants à l'école. Enfin voilà, juste pour avoir l'air coiffé, mais pas quelque chose de travaillé, de sophistiqué. Non. On met toujours un élastique. Vous n'oubliez pas de prendre toujours des élastiques qui n'ont pas de partie en fer. Et c'est le même système de queue de cheval que tout à l'heure, sauf que là, elle est beaucoup plus petite. Mais c'est la même chose, vous voyez, vous faites passer en bas et vous tirez. C'est juste pour faire un petit côté amélioré, un petit côté moins ordinaire, on va dire. Voilà, avec ça, je peux sortir, je peux aller chercher mes enfants, je peux aller faire des courses, voilà. Et vous voyez que c'est toujours assoupli, malgré le fait que j'ai passé la brosse, etc. C'est un peu moins plaqué que tout à l'heure, parce que le lisseur de bordure, ça part avec la brosse. Là, je vous montre à nouveau mes repousses, c'est un autre jour. Donc, on recommence cette fois-ci. Je suis obligée de passer à nouveau la lotion moussante pour mise en pli, ainsi que le lisseur de bordure. Donc, vous voyez comment ça gonfle les repousses devant. Je vous montre ça bien de près. Regardez la lotion moussante, comment ça assouplit tout ça. Vous voyez? Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette lotion moussante et en plus elle dure longtemps, ça fait longtemps que j'ai ça. Et comme d'habitude, le lisseur de bordure juste derrière, donc je vous montre ça aussi de près. Moi ce que j'aime avec ça, c'est que c'est rapide, ça va vite. Voici le avant et le après. Vous voyez comment ça fait? C'est super joli et ça se plaque facilement avec la brosse. Vous pouvez faire une queue de cheval par exemple, là c'est ce que je vais faire, mais après vous pouvez faire n'importe quelle coiffure. Mais vous avez vu à quelle facilité ça se plaque. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Mouah.